Et salut à tous, c'est Vindicaire, on se retrouve sur le troisième jeu d'horreur que j'ai donc sélectionné pour vous, Sugar the Evil Rabbit. Littéralement, le lapin maléfique, démoniaque, diabolique. Et puis Sugar, je suppose que ça doit être son nom, ce qui veut dire sucre, ou sucrerie. Donc voilà. Ça a l'air mignon, mais vu l'image et vu l'ambiance, à mon avis, je vais vite changer d'avis. C'est parti. Your friend's favorite toys has come to life and has kidnapped three of your schoolmates. You must rescue them. Tips: Sugar can listen when you open a door, find keys or tools that help you open doors. The keys and tools can be inside drawers, shelves, or on the floor. Sugar can detect light. If Sugar discovered you, he will chase you until he kills you. Ah, sympa! Donc, votre... Le jouet favori de votre ami est venu à la vie et a kidnappé trois de vos camarades d'école. Tu dois les sauver. Donc, les astuces. Sugar t'entend quand tu ouvres les portes. Tu dois trouver des clés, des outils qui vont te permettre d'ouvrir ces portes. Ces clés peuvent se trouver et ces outils peuvent se trouver à l'intérieur de tiroirs, d'étagères ou sur le sol. Sugar ne voit pas la lumière, donc ça c'est une bonne chose. Et si Sugar te découvre, il va te poursuivre et te tuer. C'est cool, hein? C'est parti. Donc j'imagine que ça va être un jeu type labyrinthe, où tu es susceptible de croiser la créature, je suppose. Un peu comme ce qu'on avait trouvé avec l'histoire du frère qui s'est endormi là, et le watchman, là, l'horloger, qui nous poursuivait. Oh. Ouh. Donc, ah, ça j'aime pas. Système de déplacement un peu particulier, puisque quand on commence à initier un pas, le personnage finit le pas. Donc même si je clique juste une fraction de seconde, il va quand même se déporter en avant. Parce que quand il enclenche le pas, en fait, il doit finir le pas. Ça peut être gênant, ça. Il faut réagir vite. Oh putain! Oh! Ok. Ok, je m'attendais pas à mourir dans les 3 premiers mètres. Mais apparemment, il est au taquet. Très bien. Oh, oh putain, je peux pas sprinter, d'accord? Je peux même pas sprinter. Oh, ça va être dur. Ça va être dur et chiant. Ok. Ah. Mais je suis censé me cacher comment alors? Bonjour, Sugar. Clé. Ok. Donc j'ai une clé rouge. Sugar. J'aime pas cette musique. Oh. Ok, donc il a quand même une portée de vue limitée, hein. Il m'a vu. Ok, bon, il faut vraiment se planquer dans les trucs. Le problème, c'est que ça réagit pas toujours quand on appuie sur la touche action. Ok, comment ça se passe? J'ai un nombre de vies limité. J'ai quoi? C'est juste une... Salut. Je l'aimais pas trop en même temps. C'est pas grave. Ah, c'était moi. Ok.
Mais je m'aime bien quand même, donc si tu peux éviter de me manger. Je suis pas une carotte. Sugar. Allez, on connaît, on a déjà vu. Oui. Vanadiel. On dirait un médicament genre déconstipant. Tu as envie de chier, mais tu ne peux pas depuis quelques jours. Tu as mal au ventre et tu sais que quand ça va sortir, ça va faire mal. Utilise Vanadiel pour les douleurs anales. Vanadiel. Ok. Coucou. C'est bon, tu peux partir. Pom, 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 pom. La petite démarche gentillette. Ok. Maintenant, grande question. Est-ce que les localisations des choses que je cherche sont aléatoirement générées ou est-ce que la clé va toujours être à cet endroit? Ok, il s'en fout. Ah, je commence à comprendre comment te brain. Maintenant, ce serait super si tu pouvais sortir de cette petite zone dans laquelle je suis censé apparaître moi et te casser plus loin dans le couloir. Voilà, c'est parfait. Merci, Sugar. On va dire Sugar, comme en français. Sugar. Ouh, la clé est toujours là. On va juste laisser ça ouvert au cas où. On a vu que Sugar. Des fois, il allait à droite et puis après, il remontait le couloir vers la gauche. Est-ce qu'il va faire ça? Ok, il a dû partir vers l'étage. Ah! Un bus d'école. Bah c'est bon, je peux me casser là. Ok, ça là, elle est fermée. Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort et est-ce qu'il ouvre les portes si je lui fais monnaie après l'avoir ouverte? Je te vois. Je sais que t'es dans le coin. Oh, il y a un couloir. Trop proche pour mon confort, trop proche. Ok. Ça c'est pas ouvert. Les chiottes. Oh, un pied de biche. C'est un bon gros pied de biche. Il est caché, rien du tout. Ok. Donc clé à droite, pied de biche à gauche. Sugar. Est-ce que je peux forcer cette porte? Non. Oh, 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 oh. Pas bien, pas bien, pas bien. Beaucoup de bruit. Beaucoup, beaucoup de bruit. Non? Non. Ok. Hey, salut!
Tu as l'air en pleine forme. Ok. je sais pas, je me fais kidnapper par un lapin, je reste pas là comme un gros péon à attendre ma fin. Bref. C'est un choix. Non, non, l'enfoiré, il était à droite, j'ai pas pensé à checker la droite. Ah, fait chier ça fait chier. Bon, une vie, un enfant sauvé. Est-ce que j'ai toujours... Oui, j'ai toujours la clé sur moi. Maintenant, la question c'est où est Sugar? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est sur le point de me tomber sur la gueule? Parce que ça c'est gênant, parce qu'avec lui, s'il te voit, t'es mort. Tu ne peux pas lui échapper puisque tu sais pas sprinter. Je sais pas, moi, le fait de me faire poursuivre par un sac à merde comme ça me donnerait des ailes. Hein. Pourtant, je suis pas le type athlétique. Mais non, apparemment, notre héros a pas des masses envie de courir. Ok, va là-bas. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Ça, est-ce que ça s'ouvre? Yes, ça s'ouvre. Est-ce qu'il va rappliquer? Oui, il s'en fout. Ouais, il rapplique. Donc il rapplique vraiment à chaque porte. Hein. Faut espérer qu'il n'y ait pas un truc troll, genre t'arrives dans une pièce et il n'y a rien pour te cacher. Parce que là, t'es mort. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il traîne pas trop en haut. Il est plus à aller en bas. Oh, clé bleue. Ok. Oh. Ok. Donc la porte n'est pas bloquée, mais la poignée ne marche pas. Sugar. Où es-tu? Non, 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 non. Ouh, tu viens en haut. Tu viens tout en haut. Ouh. Donc en fait, tu fais une patrouille assez simple au final. Tu vas d'un côté, tu montes tout en haut d'escalier, tu vas au bout du couloir, ensuite tu redescends et tu vas dans les chiottes. Ainsi de suite. Ok. Ok. Voilà, va faire ton petit caca. Va dans les toilettes. Allez, allez. Va loin, 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 loin. Et on brain, et on brain, et on brain, et on brain. Ok. Maintenant, la question, c'est comme je l'ai interrompu dans sa ronde, est-ce qu'il va la reprendre ou est-ce qu'il va commencer à remonter de nouveau à l'étage. Ok. Ouh. Ok, il arrive. On va l'attendre gentiment. Donc si j'ai bien compris son truc, il monte en à l'étage. La tour est au bout. Et il redescend. Non? Ah! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu changes ta routine? Si je tombe, néné, avec toi.
il est là. Il est très près, il est là. Ah, j'aime pas les ennemis silencieux comme ça et que t'es susceptible de tomber nez à nez avec eux. Ok. On va lui laisser quand même une petite longueur d'avance, hein. Ok. Boum, piloum, 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 pouloulouloulou. Moitié du couloir, c'est bon. Ouais, c'est bien, continue comme ça. Maintenant, je vais là-dedans, moi. Putain, y'a rien du tout. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Oh, 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 oh. Ok, ok, clé jaune, clé jaune. Ok, clé jaune, clé jaune, clé jaune, clé jaune. Ouais, maintenant tu vas tout loin, 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 loin. Comme ça, je peux ouvrir l'autre porte. Yo! Putain de bestiole! Ah, la question c'était aller à droite ou à gauche maintenant. Je dirais à droite. Ouais. Ok. Ça, on n'a plus l'intérêt de l'ouvrir. Est-ce que je peux ouvrir ça, cette porte là? Non, toujours pas. Ok. Devrait le voir débarrouler. Non? Ah bah si, il est là. Bon, il est pas speed, hein, mais il est là. Ok, je pensais qu'il rentrait dans les chiottes, mais non, il s'arrête. Du coup, là, c'est un petit peu trop proche. C'est un petit peu trop dans ma zone de confort. Je vais pas tenter le truc. Voilà. Éloigne-toi. Après, tu vas à droite. Après, tu montes. Fais ta routine. Ne te dérange surtout pas pour moi. Ok. Salut. 2 sur 3. Donc forcément, il doit y avoir un truc dans cette pièce. Ok. Ou pas. Celle-là, on est d'accord, elle mène... Celle-là, elle est bloquée, elle mène à... Là. Toujours bloquée ? Toujours bloqué. Donc j'imagine que bah, c'est la porte de l'étage. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Celle qui soi-disant est bloquée. Donc, est-ce que maintenant elle s'est débloquée ou est-ce qu'il faut encore que je trouve un truc pour la débloquer? Mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait comme outil débloquer une porte. Il veut pas s'ouvrir ce truc. Il y a rien là-dedans. Ok. Ah, peut-être dehors autour du bus. C'est vrai, j'ai pas regardé. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça j'ai pas. Ça j'ai pas regardé. Peut-être quelque chose que j'ai raté là dehors.
sais pas où il est. Ok, il est là. Et il vient. Il est quand même bien flippant, hein. Même si ça reste un lapin à la con. Je sais pas, c'est la démarche peut-être. Cette espèce de petite démarche nonchalante. Ou le fait que tout simplement c'est un lapin de 1m80. Encore que non, ça, il peut faire 1m80, il doit pas être si grand que ça au final puisque je suis un enfant apparemment. Même si j'ai l'air de faire une taille normale. Hein. Ok. Ici j'ai bien tout vu. Ok. Rater quelque chose là-dedans peut-être que j'ai pas ouvert? Non. Alors, le bus magique. The fuck? C'est quoi cette ombre? Oh, le bus est ouvert. Oh, ok. Ça va, ça vous dérange pas trop que je risque ma vie? Non, c'est... En fait, je crois que vous êtes plus flippant que le lapin. À rester debout et à regarder le mur sans expression. Ok. Faites vos trucs, amusez-vous. Il doit y avoir un moyen de rentrer dans cette pièce qui est à l'étage. C'est obligé. J'ai dû rater un truc. Est-ce que j'ai raté quelque chose sur le sol? Je trouve que j'ai quand même trouvé beaucoup de clés par rapport à ce que j'ai ouvert. Est-ce que j'ai raté quelque chose dans le hall d'entrée? Est-ce que cette porte, je peux l'ouvrir? Oh, peut-être ça! Peut-être une des clés que j'ai trouvées. Je sais qu'il va passer par là. Ok. Est-ce que je peux ouvrir ça? Je peux ouvrir ça! Et maintenant j'ai un marteau! Oui! Ok. Bon, mon esprit supérieur est venu à bout de ce casse-tête. Ou pas. Bon allez, tu fais ta ronde, tu te tournes dans le cul en haut, tu redescends gentiment, tu vas te frotter dans les chiottes. Je suppose que ça va faire un boucan pas possible de péter la dernière porte. Et je sens bien comme ça doit être la dernière salle, un troll. Genre justement ce que je disais avant, tu peux pas te cacher dedans. L'avantage c'est qu'il est loin, donc il va mettre du temps à rabouler. Ok. On va faire... Quoi mais...
Mais j'ai le marteau. J'ai... Mais non. C'est censé marcher, là. La porte dans la cour, alors. Il est où? Ok. Je vois que ça, là, hein. Ah non, c'est fermé aussi. Ah. Fuck. Allez, va à l'étage. Merde, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai raté? Il y avait encore un petit truc à ouvrir quelque part que j'ai pas vu. Non. Ah. Oh. Juste au cas où. Sugar. Je sais plus s'il est déjà passé à gauche, s'il est encore à droite, je sais plus là. Non, je vais pas prendre le risque parce que avec la chance que j'ai, je vais tomber nez à nez avec lui. Ok. Un peu penser au mec déguisé dans les parcs d'attraction. J'ai jamais aimé ça. C'est un de mes souvenirs traumatisants d'enfance en plus. Sans déconner, hein. C'est. Je déteste ce genre de truc. Parce que tout petit, en fait, je savais déjà que c'était des gens qui étaient dedans. Je savais que c'était pas. Bah, moi, c'est quand, par exemple, j'étais à Euro Disney quand j'étais petit. Et que ma mère a voulu absolument que je pose avec, je crois que c'était Mickey ou Minnie, ou les deux, je sais plus. Je crois que j'ai pleuré 20 minutes avant d'y aller, parce que je ne voulais pas. Mais parce que je savais qu'il y avait quelqu'un dans le costume, je savais que c'était que des costumes en fait. J'étais petit mais j'étais pas con au point de croire que oh, c'est Mickey, machin, cool. Du coup ça m'a toujours dérangé, cette tromperie dissimulée. Bon, attention, hein, après, faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. Ce serait une nana déguisée en lapine très sexy, je prends, hein, pas de problème. Mais là, non. C'était bruyant. Hey, je savais, je te connais, petite merde. Allez, casse-toi. Voilà, c'est moi le patron ici. Bye. Ok. Oh, c'est pour ça qu'on a le marteau. Oh, ok. Je suppose que ça va faire du bruit. Je vais essayer un truc. Ah, oh, je peux pas refermer une porte que j'ai ouverte. D'accord. Oh, ça fait du bruit. Ça fait énormément de bruit. Non. Non. Ça fait pas de bruit. Il entend que les portes alors. Ok.
Donc j'ai une clé verte. Je suppose pour la pièce qui est à l'extérieur. Oh, il doit être pas loin d'être à l'étage là. Hein. Non, d'un autre côté, il me reste une vie encore, je peux foirer. C'est pour ça que je préfère attendre, même si c'est chiant. Mais au moins, je ne mets pas ma chance à l'épreuve parce que je sais que je n'ai pas de chance. Bon, on s'en fout puisque là, j'ai tout ce qu'il faut. Je pense pas qu'il y ait encore 15 000 pièces. La question est de savoir où il est maintenant. Et je vais attendre. Pour pas foirer ma dernière vie, j'ai pas envie de me retaper tout à zéro. Même si je sens bien que c'est le genre de jeu d'horreur où quand tu crois atteindre la fin, ils te font un truc qui fait que tu te fais niquer parce que en fait, il n'y a pas vraiment de fin, tu es obligé de perdre à la fin. Genre, tu montes dans le bus et puis tu te rends compte qu'il est dans le bus, quoi. Je sens bien pour un truc comme ça. Je sens bien le jeu faire un troll comme ça. Alors, c'est une porte, donc normalement, il va réagir quand je vais l'ouvrir. On va attendre qu'il soit au bout du couloir, qu'on puisse aller se planquer là-bas derrière. Vu que je marche aussi rapidement qu'une vache malade et arthritique. Ok. Voilà, 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 voilà. Il arrive, je pense. Il arrive? Est-ce qu'il arrive? Tu arrives, petit? Ou tu arrives pas? C'est une porte que j'ai ouverte. Mais tu n'es jamais sorti. Donc il est probable que tu ne viennes pas quand même, malgré tout. Et apparemment, tu ne viens pas, t'en as rien à foutre. Mais t'en as rien à foutre. Très bien, ça me va. Ok, oh! Hello! Je t'ai sauvé. Bon, t'es un peu jeune, un peu plate. Puis c'est des enfants, on va rester... Même si je fais la taille d'un adulte. You receive the bus key. Ok. Ok. D'accord. Et... Je peux fermer la porte juste en cas où. Boom! Ok, non, même pas. La fin, comme ça, cache. Bon. Ok, retour au menu principal. Donc, bah voilà, pour un petit jeu indépendant, c'est plutôt sympa. La mécanique du son, c'est pas quelque chose d'original, mais bon, le... pour un jeu fait par une personne, je trouve que franchement, c'est pas mal. C'est une bonne base pour aller vers quelque chose de plus développé, on va dire. Donc, pourquoi pas. On va s'arrêter donc là pour cet épisode, on a fait le tour. Et puis, on va se garder le dernier jeu d'horreur. On verra ce que ça nous apprend. Et puis, peut-être que je retournerai sur She is in between. J'ai pas encore eu de réponse dans les commentaires pour m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, mais au pire, je regarderai sur Internet, tant pis. Je préfère échanger avec vous, mais bon. Et on fera en fonction de peut-être un épisode, peut-être pas. À vous de me dire. Allez, on va s'arrêter là. Ciao à tous et bonne soirée.